lâchera pas l'affaire. On lâchera pas l'affaire. On lâchera pas l'affaire. On lâchera pas l'affaire. En cours de route, on y va tout chou. Malgré les coups de blues et un moral qui s'écroule comme le cours des bourses. Écoute, on joue des coudes dans cette foule étouffante. Mec, on se débrouille en fait en misant de chipettes sur l'entraide sans être les bienvenus. En chien de subvention, on lâche plein de thunes dans le son, dans la peinture, en bombe vers la ceinture. Dans l'ombre, les choses aboutissent. Malgré qu'on soit des gars tout pisse, on n'est pas prêt à s'accroupir afin de plaire au plus grand nombre. T'as de faux culs dans ce monde à l'imposture. Sans et on exporte une chanson. Car dans le fond, la musique, loin des sons abusifs, ça amène trop de pure rencontre. Le brave gars lucide, plus proche du tap d'usine que du palais mondain. Ici, on lâche une rime pour celui qui fait son chemin et fait croquer les copains. Même si l'aspect financier contraint l'avancée de projets concrets, contraint qu'au complexe combat qu'on mène en commun. Pour les proches mecs, ceux qui t'épanouissent quand t'es en galère, ceux qui méritent des médailles et qui prétendent à peine, ceux qui te rappellent à la raison, ils font relâcher la pression, ils t'acceptent à la maison. Et quand soit la saison, c'est pour ces bons gars qu'on se bat. On se laisse pas abattre au comptoir, on compte pas de genre art quand il faut se mettre à table. Les états d'âme, les décalages, les dérapages de chacun. On essaiera de garder la foi jusqu'au sarcophage de sapin. On essaiera de garder la foi. Dans l'ombre, le futur se dessine. Vu que la lumière divine nous éclaircit peu, la fin reste une énigme à la dérive dans un milieu pernicieux et on persiste. Malgré des phases de superstition, par que dehors c'est l'acquisition, mais on précise. On est conscient de tenter de l'être, non sans réserve, ça en énerve. Plus d'un, tant mieux au genre du hater, ça en célèbre. Putain, c'est ironique si t'avais pas compris. On répète la fashionnerie ici, c'est pas notre style. On respecte quelques préceptes fondamentaux et nécessaires. Quand on parle dans le dos des autres, on marche droit sans regarder derrière. On persévère et lâche pas de steak, post-star la semaine. Et le week-end se fout la quiche comme une alsacienne. On mène plusieurs vies parallèles avec de nombreux paramètres à gérer. Parfois terrible la charge de taf à faire. On bat, c'est vrai, passe par des phases de stress mal gérées. Mais vu le climat de rêve ici, on garde le smile dès qu'on regarde par la fenêtre. Dès qu'on regarde par la fenêtre. C'est pour les proches mecs, ceux qui t'épanouissent quand t'es en galère, ceux qui méritent des médailles et qui prétendent à peine. La pression, t'accepte à la maison, quelle qu'en soit la saison. C'est pour ces bons gars qu'on se bat, on se laisse pas abattre au comptoir. Compte pas de genre, il faut se mettre à table. Malgré les états d'âme, les décalages, les dérapages de chacun, on essaiera de garder la foi jusqu'au sarcophage de sapin. Scénariste, faut être actif et ne pas rester par terre assis dans un coma léthargique à cramer de la weed. Si on se lève la bite, c'est pour faire la diff sans se poudre les narines. On n'est pas prêt de lâcher la zic. Vas-y, fais tourner les platines. Comme les rumeurs sur notre compte, ça va pas nous changer la vie. Car dans le fond, on sait qu'en tant qu'unique écrivain de sa Bible, faut prendre des initiatives pour s'imposer malgré sa taille dans ce monde comme Mimi Mati. Comme Mimi Mati. Joséphine Ange Gardien, quoi. We'll be right back.
say that age kills the fire inside of a man. That he hears death coming. He opens the door and says, come in. Give me rest. That is a pack of lies. I've got enough fight in me to devour the world. So, I fight. Power tomorrow.